fini avec une note positive, donc c'est qu'on va se satisfaire de ces deux points. Avec ce match nul en fin de rencontre qui vu la physionomie du match, nous satisfait. Vous avez quand même de quoi vous mordre les doigts. Manque de réalisme, beaucoup d'erreurs. Vous aviez moyen de faire mieux quand même. Ouais, manque de réalisme. C'est vrai qu'on a loupé quelques points au pied. Ça ne peut pas toujours, toujours être parfait pour les buteurs. Donc aujourd'hui, c'est vrai que si on avait pris les points et l'avantage en début de match, je pense que ça n'aurait pas du tout été le même match. On aurait été un peu plus chez eux et tout ça. Donc voilà, manque de réalisme, c'est vrai. Est-ce que vous avez toujours su vous adapter dans cette rencontre, vous adapter notamment à la défense montoise? Oui. Mais comme je l'ai dit, on a un peu joué à l'envers parce qu'on voulait, aller jouer chez eux, prendre vite le score. On n'a pas su le faire et c'est vrai que offensivement, c'était un peu, en première mi-temps, un peu stérile. On n'a pas su mettre cette avancée. Donc c'est vrai qu'on est tombé sur cette défense montoise durant la première mi-temps. Dans la semaine, vous disiez que c'est important de s'imposer à domicile, de remporter ce deuxième match face à Mont-de-Marsan. À défaut, le perdre aurait été très problématique. Il faut voir ça dans ce match nul. Ouais, c'est vrai qu'on garde notre invisibilité malgré tout. C'est l'objectif de cette saison, de rester invincible, à Jean Daugé le plus longtemps possible. Donc c'est quand même, on a su le faire, quoi.